Chères Bruxelloises, chers Bruxellois, chères citoyennes et citoyens bruxellois, best Bruxelloises. En temps normal, nous aurions dû être beaucoup plus nombreux à pousser les portes de notre Parlement aujourd'hui. J'aurais aimé que ce soit différent et que nous nous retrouvions ensemble au sein de notre belle région pour la fêter comme il se doit. Martijn is misschien toch wel in zicht, want de vaccinatiecampagne is volop op gang getrokken. En het parlement, samen met de regering natuurlijk en de administraties van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, wil daar de komende maanden keihard werk van maken. Je profite de cette occasion pour vous remercier toutes et tous pour l'engagement, les efforts et la solidarité dont vous faites preuve depuis plus d'un an. Maintenant, vous faites Bruxelles et vous rendez Bruxelles plus belle. La crise nous aura en tout cas rappelé des choses fondamentales. Elle nous aura rappelé combien nous avons besoin les uns des autres, combien nous sommes vulnérables si nous ne sommes pas solidaires, combien il est important de pouvoir compter, comme nous le faisons chaque jour, sur nos médecins, nos hôpitaux, nos enseignants, sur le service public, sur tous les travailleuses et les travailleurs qui permettent à notre société de fonctionner. Chers Bruxellois, en attendant de pouvoir nous retrouver et célébrer notre belle région ensemble à nouveau, nous voulions au moins partager un moment musical avec vous. Et Dan et Blanche ont tout de suite répondu présent pour vous l'offrir. Je vous souhaite une très belle fête de l'Iris. Ik wens jullie allemaal een heel prettig Irisfeest. Vive Bruxelles, vive ses habitants, een fijne Irisfeest voor iedereen.